Non, pas quoi c'est? Et François Jean-Baptiste. Donc nous avons fait Paulette. Femme ça, c'est auteur intellectuel, c'est Mopadep. Ok. Et normalement, et scientifiquement, techniquement, c'est à l'aide de agronome Gessly Jean-Pierre, qui c'est conseiller technique Mopadep. Parce que nous avons l'autre auteur intellectuel, technique et scientifique, qui c'est Entreprise Vitale, et puis IEH. Donc c'est toi et partenaire si là, qui a fait travail ou elle a. Depuis qu'il a nous commencé. Donc nous commençons là depuis en 2012. Et normalement pour le moment nous gagnons des partenaires financiers et qui c'est Entreprise Vitale, Mopadep et puis IEH, PADF. Et vraiment comme tout là c'est depuis en 2012 et nous avons frappé sous terrain. Depuis 2012. Et n'a frappé, c'est qui ça nous plante à part depuis même là banane et bon normalement nous gagnons piment, patate, banane, nous te gagnons grenadia. Ah, excusez-moi, nous gagnons grenadia sur espace là. Nous te gagnons poids, au mieux dire, nous te gagnons poids donc pas même les fines récoltées. OK. Maintenant nous décider pour nous faire quantité de gros travail ça dans zone ça c'est qui quantité de terre nous qui en plantation là normalement nous gagnons 24 hectares là qui en production presque nous gagnons 24 hectares mais nous gagnons environ 12 qui en production. OK. Et piment nous la récolter c'est combien sur combien récolte dans piment là? Ah nous gagnons piment là qui sur 5 récoltes déjà. Mm-hmm. Et puis nous avons une quantité là qui fait planter. OK. Et nous avons piment, nous avons banane, nous avons grenadia, nous avons patate. C'est comment nous ouais et production et c'est comment nous gérer ça et puis tout parler nous de système ouais nous qui là parce que là il pas la pluie, moi nous verte. Normalement dans le temps nous avons ratement de l'eau. Bon, l'eau elle même c'est nous avons des partenaires qui étaient aidés nous pour permettre que nous ayons de l'eau, c'est le ministère de l'Agriculture, nous gagnons RECEPAG, nous gagnons Banque mondiale, nous gagnons PACH Nord-Est via et des organisations telles que l'Union européenne. Mm-hmm. Normalement, qui t'a aidé nous dans le temps pour que nous ayons 4 puits qui en l'air. Donc maintenant, puits n'ont pas suffi. Il y a une quantité de l'eau nécessaire. Donc nous gagnons PADF avec le ministère de l'Environnement. Normalement, deux partenaires ça ont mettre ensemble et puis bon nous système qu'on a là. Okay. Alors là nous remarquer et jardin vraiment belle et surtout au fait quoi que c'est depuis 2010 et nous 2012 je m'excuse. Alors nous qui le mouvement ça. Et dis-nous non, là nous faire jardin comme ça. Est-ce que nous exportons dans le pays ou dis-moi si dans pays à nous venir. Normalement jusqu'à présent c'est un espace expérimental qu'il y a. Et si on regarde, faut regarder bien, c'est un système d'innovant. Normalement, le récolte que nous faisons, c'est le récolte nous vendons local. Donc, nous pouvons exporter à l'échelle internationale. OK. Mais est-ce que là, nous faisons des récoltes qui nous paraît avec vous et au niveau marché, comme quoi, qui se barre local, comment nous est et les gens qui viennent acheter, nous viennent parler d'acheter, comment ils accueillent? OK, nous avons en 2012-2013. Et culture que nous te fait là yo et l'aime prend betterave poireau sincèrement là nous arrivons avec dans marché local là l'aime dit c'est pour l'être sorti on dit pas tellement j'étais beau et c'est après un peu le monde apprend visite sous ferme là et nous connait que je suis Raphaël venir acheter piment là et on rend que nous vraiment c'est pour l'être fait et qui raison qui cause pas continuer avec les production et poireau. Normalement, on connaît chaque culture, il y a un cours. Normalement, nous estimons que le piment est lui-même libre et plus comme. Et nous essayons de servir avec le piment. Pour le moment, ça va empêcher que nous avons toujours fait belle travail là toujours. Mais pas où, nous avons fait d'ailleurs toute technique là. OK, maintenant, c'est qui est plus objectif fait ça? Normalement, le plus objectif, c'est ça qui fait 12, nous avons une phase expérimentale. OK.
Et normalement, nous avons pour que nous mettions l'école technique et sur pied. Et là, ça, nous avons des étudiants qui viennent pour venir faire, qui viennent sous FEMNA, dans l'école là, et puis qui sont capables de travailler et sous FEMNA, et puis ils même pour faire comme. En tant que responsable, nous là depuis 2012, et qui est la plus grosse école que nous faisons dans l'espace là déjà? Et puis gros récolte. Mm-hmm. Bon, nous avons fait un peu de gros récolte, nous faisons un peu de piment, nous faisons patate, tout ça. Et actuellement, là, nous faisons expérience. Banane. Ok, de 2012 à 2024, environ 12 ans. C'est si nous évaluons combien de récoltes nous faisons là déjà. Dans tous les produits honnêtes, banane, patate, piment. Alors, je vais dire oui, banane, c'est la première année de l'expérience. Ok. Donc patate là c'est son patate nous avons essayé mais normalement nous faisons un peu sur lui donc mon patate local actuellement là c'est lui on a travaillé sur lui. Alors nous maintenant et Paul est-ce que nous pas fait et l'autre travail tel que nous connaissons planter du bois si on a bagaille qui permet à ce que l'agriculture lui-même lui prend le temps plein est-ce que nous pas fixé et à direction ça. Bon parce que nous avons manqué à obligation nous c'est travail sur protection environnement. Et si vous regardez sur l'espace là, je ne sais pas si vous avez ça, ou après côté nous faire plantation pied bois. Ok. Et qui sont les élevages là? Et comment ça y est au niveau zone? Voilà, pour nous poser des questions, bien content. Donc nous avons une organisation locale qui s'est songée à Haïti. Normalement, nous faisons un bon petit travail ensemble avec nous. Nous avons fait un projet pour créer le Pascado. Il était bon 15 cabrites qui montaient à plus de 250 cabrites. Ok, pendant nous dans l'élevage là, en Haïti, l'élevage libre, il y a un peu de problème à nous-mêmes qui a produit, qui a planté banane, qui a planté patate, etc. C'est comment nous avons une forme d'élevage ça, dans, surtout dans la zone nord-est, on va passer sur de la bœuf à droite à gauche, qui a fait un accident. Maintenant, est-ce que pas rentrer dans nous avec des zones, mais nous avons nous barrer? Oui, c'est un gros problème. Le gros problème est l'agriculture. En département nord-est, bien entendu. Parce que l'élevage libre là, je n'ai plus dans le département. Mm-hmm. Surtout dans la commune de Guéo, je connais zone ça, c'est zone plantation de fin. Donc c'est là, mon tout côté vient de la guébette, et comme tout ça, il connaît un gros problème côté chargé. Donc nous-mêmes, nous cherchons quelques stratégies, nous mettons gros clôtures, raquettes, pour empêcher les bêtes de venir nous. À quoi travail a fait là? Et bon, c'est ça pour le pays, pas pour seulement le département nord-est, c'est pour le pays en général, pour tout le monde dans la diaspora tout également. C'est un bon message comme responsable, pour tout le monde en général, qui s'est habillé. Bon, message, moi, premièrement, c'est d'avoir remercié tout partenaire nous, partenaire technique et partenaire financier nous, pour tout ça qui nous permet de nous réaliser en dans la commune ou bien en dans pour l'être. Donc peut-être c'est une bagaille qui est incroyable puis nous ne pas penser que si pour l'être ca bail ça la bail aujourd'hui mais ça une ca voyer bail moun pas le voir vidéo ça moi t'a dit Haïti c'est mon pays qui a péri si nous acceptons mettre tête nous ensemble et ça fait me saute mentionner des partenaires économiques qui aide nous et c'est nous peut-être partenaires ça mettre tête ensemble avec Mopadep qui permet Jodia n'a faire une expérience agricole et expérience ça je suis sûr que si tout l'autre secteur conscient de ça ouais ça partenaire a fait là et ben yo ca faire en pile bagaille pour agriculture en Haïti déjà bon travail et bonne continuation et Kembered bon merci merci Mopadep. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça parle de moi de quand on regarde des vidéos ça. Je ne sais pas si nous avons une ferme qui c'est Mopadep. Eh bien, quand on a un pile piment, un pile piment dans la ferme ça. Nous même les spécimens, nous disons agriculture devant, production nationale devant. Eh bien, nous décidons pour nous venir montrer où les fermes ça, un gros bout de ferme. Eh bien, je dis à la, sur les spécimens, il faut vivre ferme ça. Partagez la vidéo, sous fier parce que ça ici, si vous fier, sous quoi que production nationale et qu'a retiré pied dans salier là, en partager, en garder, en suivre même. C'est le spécimen. Et TAC 609, Haïti en avant et toute plateforme yo, l'amour respect pour nous parce que travail en faire l'impayable. En garder, en suivre, comment ça y est, jodi à la, nan ferme ça,
qui c'est Mopadep, un pile piment, j'en ai regardé là. Yon champ piment, mesdames, messieurs, nous va le faire vivre. Il y a plusieurs autres bagages, il y a maïs. Là, et tout à l'heure, nous allons faire un petit parler avec le responsable pour nous plus de détails. De piment, ça. En tout cas, on regarde et on partage. Vraiment donné, mesdames, messieurs. Donc, nous qui fait jardin, ça, nous capable de dire vraiment, il y a des valeurs que vous méditez. Alors, c'est ça. Et qui permet de faire le travail de même pour vous expliquer. Vraiment, belle. Ok? Là, je n'ai pas de mener. Et, mais, piment, là. Ça sont piment qui est en pile, qui est en pile piment dans ça. Commencer et faire 10 côtés parce que on récolte plusieurs récoltes là déjà. Et ça fait une récolte bien mise. Et là, il y a une petite jeune là, c'est pour que l'on continue. Alors là, maïs, tout ça là net, c'est piment. Piment, maïs. À droite, à gauche. Maïs. Piment. En tout cas, suivez avec isolé spécimen. Gardez, partagez. Supporter travail ça, ou même qui sous taxe 509, ou même qui sous Haïti en avant, et isoler spécimen, j'en dis, travail ça, vous méritez support, travail ça, vous méritez encadrement, ça fait nous-mêmes comme journalistes, comme médias en ligne, nous décidons pour nous mettre lumière sous genre de travail ça, parce que nous connaissons, et force pays, c'est dans l'agriculture. C'est la raison ça qui fait que nous décidons pour mettre lumière sous travail ça yo, mesdames, messieurs. En tout cas, pas suspendre, partager. Pas suspendre, partager, pas suspendre, abonner, commenter. Tout ça, c'est piment. Piment qui est, piment mûr, piment grossi. C'est pas extraordinaire en fait là. Même pas trop parler, seulement quitter nous-mêmes, cap suivre, cap vivre, cap garder, bah opinion par nous. J'aime toujours dire, il y a espoir pour payer ça.
depuis nous décider tout bon venir travailler la terre, eh ben la terre pas bay menti, la terre pas bay menti, et puis nous travailler la terre mettre couem pardon résultat vini, résultat n'a cherché à la vini. OK, il y a qui plante là qui banane qui y a maïs n'a pas le tout à l'heure son gros ferme qui là là nous toujours dans ferme nous, et bien dans zone ça c'est pas piment, c'est patate, c'est banane et puis avec grenadilla. C'est là, c'est ça qui vient dans la zone ça. Car ouais, mettez fait pour être capable de monter. Et puis donner, parce que nous allons passer là encore, on a pu gens là totalement verte. Un peu regarder belle plantation banane ça. Et grenadilla. Et puis ensuite, il y a banane patate dans la zone ça. Moment sur question de mettre lumière sous paysan yo, mettre lumière sous agriculture. Donc ah ouais, qui système yo fait pour arroser jardin? Donc ah système dans janvier j'en le fait. Et la pluie par la pluie, jardin a pas arrosé. Il y a un gros système solaire l'autre bord avec panneaux solaires. Il faut vivre tout à l'heure là. Et c'est avec ça nous là, avec ce système ça, il y a arrosé jardin ça et de l'eau passée en dedans. Si ça nous là pour arroser bel jardin banane ça. N'a pas gardé là mesdames messieurs. Ça c'est système solaire et un système d'énergie pour capable alimenter pompe ça pour arroser jardin. Je n'ai pas regardé, remarqué là mesdames messieurs en pile panneau solaire là pour capable arroser jardin pour bailler énergie et puis marcher système là pour arroser jardin. N'a pas regardé là.